Salut chérie. Je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Oh, bonne nouvelle. Je vais bientôt rentrer à la maison. Oui. Oh. J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. Tu me manques. Oh, faut que je retourne travailler. Je t'aime, Ethan. Tu me manques tellement. Je t'embrasse très très fort. À très vite. Ethan, tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci, reste à l'écart. Allô? Salut, c'est Ethan. Ouais, je sais, ça va. C'est Mia. Elle est pas morte, elle est vivante, elle est de retour. On l'a retrouvée? Que comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, écoute. Je sais pas comment, mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais... Elle veut que je vienne la chercher. Elle est où? Delvy. Delvy en Louisiane. Mec, ça fait 3 ans... Je sais, mais si c'était bien elle, je vais en avoir le cœur net.
Mia ? Mia, Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan ? Ethan ? Est-ce que ça va ? Tu ne devrais pas être là. Comment ça ? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait. Quelqu'un t'a vu ? Est-ce qu'il t'a vu ? Il ? Qui d'autre est ici ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa ? Il faut partir maintenant ! Où est-ce que tu m'emmènes ? Quelque part en lieu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe ? Chérie, t'as disparu depuis 3 ans. 3 ans ? Ça fait déjà 3 ans. Cet endroit ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Pas maintenant. On doit d'abord sortir d'ici. Je crois que c'est par là. Thank you.
Mia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là. Mia, tu es sûre de savoir où tu vas ? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je m'en souviens. Mia ? Ah!
Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier? Vas-y. Maintenant. Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas me blesser, mais... Mais t'aurais pas dû faire ça! Ça fait putain de mal! Bon, d'accord. Ugh.
enfermer. Il faut l'enfermer. Je dois le faire. Bon, d'accord. Bienvenue dans la famille, fiston. Allez, c'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche.
Où suis-je? Qu'est-ce que... Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Mais qui êtes-vous? Où est Mia? Mange, c'est bon. C'est pas plus rien qu'un peu d'apprécier les bonnes choses. Ça devient lourd, vieux. Pousse-toi de là, Marguerite. Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Allez, mon grand. Mouche, allez. Vas-y. Oh merde. Il mange pas, Jack. Il mange pas. Ferme-la, Marguerite. Je prépare ça pour lui. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était ce enfoiré. Il mange pas. Il mange pas. C'était censé être un festin très spécial. Allez, fiston. Allez, vas-y. Oh, et merde! Je parie que c'est encore ce flic! Maudit poulet! Bouge pas, je reviens. Pensez-nous quitter avant la... J'étais tellement inquiet. Tu perds ton temps. Maintenant. Et voilà mon petit garçon. Très bien. Amuse-toi bien là-dessous. Je reviendrai te chercher plus tard.
Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Tais-toi et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Charmante.